Valérie Balastin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au mensuel Le Particulier. Vous êtes intéressée ce mois-ci au logement et au risque de loyers impayés. Donc vous expliquez que ce phénomène avec la crise s'est accentué, que les propriétaires sont parfois obligés de dépenser jusqu'à 40 000 euros pour pouvoir récupérer leur loyer. Donc vous expliquez aussi qu'il est heureusement possible de se garantir. Donc est-ce que c'est intéressant pour tous les propriétaires de se garantir contre le risque ? Je serais presque tentée de dire oui pour tous les propriétaires bailleurs, compte tenu des difficultés que peuvent rencontrer aujourd'hui les locataires pour s'acquitter de leur loyer. Mais je pense qu'il y a quand même un cas de figure dans lequel il est particulièrement judicieux lorsqu'on est propriétaire bailleur de souscrire une assurance loyer impayé, c'est lorsque l'on ne possède qu'un seul bien locatif et que l'on compte sur les loyers, soit pour avoir un complément de revenu, par exemple pour améliorer une retraite, soit pour rembourser le crédit immobilier ayant servi à financer cet investissement locatif. Donc vous parlez de GRL, de GLI, qu'est-ce que c'est exactement, ce que c'est de garantie ? Alors c'est deux grandes catégories d'assurance loyer impayé. D'un côté, on a la GRL, garantie des risques locatifs, qui est un produit chapeauté par l'État et l'action logement, ex 1% logement, qui est un produit très formaté puisqu'il comprend un socle de trois garanties minimales pour un montant de prime de 2,5%. Et sa spécificité, c'est de pouvoir assurer des locataires qui ne seraient pas assurables dans le cadre des contrats assurance loyer impayé classiques. Soit parce qu'ils ont une situation professionnelle précaire, parce que par exemple ils sont intérimaires ou en contrat à durée déterminée, soit parce que leur taux d'effort, c'est-à-dire le poids du loyer par rapport à leur revenu mensuel, excède 33%. Des produits GRL, aujourd'hui, il n'y a que trois assureurs qui en proposent. Donc ces produits peuvent être souscrits auprès de ces trois compagnies d'assurance, soit auprès des principaux réseaux de courtage. Face à cela, on a les contrats GLI, garantie des loyers impayés. Donc là, il y a une offre beaucoup plus importante, des primes qui oscillent entre 1,7 et 3%, et une des prestations et des plafonds de prise en charge qui sont beaucoup plus étendus. Alors comment choisir l'un ou l'autre? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il faut être particulièrement attentif? Alors moi je serais tentée de dire que l'on a intérêt à souscrire un contrat GLI qui propose le maximum de prise en charge et le maximum de prestations annexes. Par exemple, il y a des contrats GLI qui proposent, lorsqu'il y a eu des dégradations immobilières, la prise en charge des loyers perdus lors de la réalisation des travaux suite à ces dégradations. Il faut toutefois être vigilant sur un point, c'est que certaines de ces assurances GLI plafonnent le montant du loyer assurable. Le plafond à 2 000, 2 300 euros. Ce qui signifie que si le propriétaire loue un bien pour un loyer excédant 2 000, 2 300 euros, il ne pourra pas l'assurer. Est-ce qu'il y a beaucoup en France justement de loyers au-delà de 2 300 euros? C'est un cas rarissime puisque le montant d'un loyer moyen en France oscille entre 600 et 700 euros par mois. En revanche, le contrat GRL, même si la prise en charge des garanties est moins étendue et les prestations proposées moins vastes que dans les contrats GLI, peut se révéler particulièrement judicieuse lorsque les propriétaires bailleurs possèdent un bien dans un secteur très affecté par la crise économique. Parce que dans ces zones-là, il peut être difficile de trouver un locataire assurable dans le cadre d'un contrat GLI. Donc là, la GRL est un très bon moyen de louer son logement tout en se protégeant des impayés. Et est-ce que ça coûte cher de s'assurer ? Alors, au regard du chiffre de 40 000 euros que vous évoquiez en début d'entretien, non. Le montant des primes, donc, oscille entre 1,7 et 3% des loyers quittancés, c'est-à-dire des loyers et des charges. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le montant de la prime est déductible des revenus fonciers. Je vous remercie.